vos bonjours. Kia lance aujourd'hui au Maroc la quatrième génération de Kia Picanto. Quelles sont les principales modifications apportées à ce nouveau modèle ? Alors, ce sont des modifications de design essentiellement, hein, puisqu'on a un design qui reprend le côté très futuriste maintenant de la marque, avec cette philosophie de design très marquée. On a une signature lumineuse notamment qui est beaucoup plus forte. Et puis, on a eu également une qualité de matériaux qui est vraiment très importante aujourd'hui, avec des nouveaux équipements comme le cuir par exemple de série sur la version GT Line, des équipements qui sont plus réservés normalement à un segment supérieur et qui sont maintenant directement accessibles sur la Picanto. Et puis on a voulu une gamme très simple avec des versions déjà tout équipées, donc on a juste deux niveaux de finition, donc la Motion et la GT Line, et sur la Motion dès l'entrée de gamme, donc vous allez retrouver la caméra de recul, le système d'infodivertissement. Vous avez beaucoup d'équipements déjà dans la première version, ce qui simplifie le choix pour le client et ce qui nous rend plus compétitifs sur cette voiture. Par rapport aux motorisations ? Les motorisations, donc il y en a deux, donc on a un moteur 1 litre de 67 chevaux et un moteur 1 litre 2 de 84 chevaux. Il faut savoir que les deux sont disponibles en boîte automatique, donc ça c'est aussi un avantage sur cette voiture, une vraie boîte auto, hein, une boîte avec convertisseur et donc avec un agrément de conduite incomparable. Que représente le lancement justement de ce modèle précisément en ce moment-là au Maroc ? Pour nous, c'est un lancement important puisque la Picanto, elle est vraiment attachée dans le cœur des Marocains. Elle a été introduite sur ce marché en 2006. Elle s'est vendue à plus de 40 000 exemplaires. Depuis 5 ans, elle est leader dans son segment et beaucoup de Marocains ont démarré leur première voiture neuve. Ça a souvent été une Picanto. Donc tout le monde est très attaché à ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec El Grande Toto, hein, l'artiste musical le plus écouté aujourd'hui dans le monde. Parce que lui-même a démarré aussi sa carrière avec la Picanto et c'est un modèle qui lui parle beaucoup. Et donc à cette occasion, il a voulu célébrer ça avec nous. Et donc on a enregistré avec lui une nouvelle chanson autour de la Picanto et un clip vidéo qui va bientôt sortir. On peut avoir une petite idée sur les objectifs de vente ? Alors les objectifs de vente, c'est de rester leader, encore une fois. On fait 35% de part de marché aujourd'hui. On va essayer de faire encore un peu plus. En volume, ça va représenter autour de 2000 voitures. Merci beaucoup.